L'entreprise SRTMT est une entreprise familiale spécialisée dans les travaux publics. Avant, pour répandre les enrobés, les salariés venaient à l'arrière du camion avec leur brouette, puis distribuaient l'enrobé sur le chantier. Cela prenait du temps. Cela exposait les salariés au TMS, au risque de brûlure et au risque d'écrasement lié à l'ouverture des portes. Dans une démarche de prévention, nous avons investi dans un nouveau camion équipé d'un convoyeur qui permet mécaniquement de distribuer l'enrobé sur le chantier. La mise en œuvre est beaucoup moins contraignante et l'utilisation de la brouette est devenue exceptionnelle. Le matériel se pilote avec une télécommande. La benne est calorifugée, ce qui permet de maintenir la température de l'enrobé. Ça a été un vrai facteur d'amélioration. Cela a réduit considérablement les risques pour nos salariés et divisé par deux le temps de mise en œuvre. Et si on regardait la prévention autrement? Ce nouveau matériel a permis d'optimiser les modes opératoires, d'améliorer la qualité et d'ouvrir le marché de la location à d'autres entreprises. Cette action de prévention a amélioré les conditions de travail, mais aussi la productivité et, du même coup, la performance globale de l'entreprise. Et oui, parce que la prévention a un impact économique, l'analyse de cette action indique que l'investissement a été d'un coût important. En revanche, le bilan de la démarche a comptabilisé des gains d'un rapport bien supérieur. Et quand la prévention profite à l'entreprise, c'est qu'elle profite aux salariés. En innovant avec ce nouveau matériel, je ne pensais pas que cela serait aussi positif, tant sur notre activité économique que pour nos salariés. Après avoir fait le bilan, on peut dire que la prévention, ça rapporte. Choisissez votre action de prévention pour plus de performances sur préventionbtp.fr.